Salut, chérie. Quoi, waouh ? C'est pour toi. Je l'adore, chérie. Regarde à l'intérieur, fille. Tu as quelque chose pour moi ? Oui. J'adore l'omelette. Faisons-en un. Qu'est-ce que c'est ? Tu es enceinte ? Je suis enceinte. Quel bonheur. Chérie, regarde. Hein ? Nous allons avoir des bébés. Waouh ! Mes bébés grandissent. Les alphabets, c'est génial. Oui, A. W. Vas-y, sœurette. L'heure du goûter. Trop bien. Plus de chocolat, s'il vous plaît. Oh oui. Le paradis sur terre. Le buffet de sucreries est ce pourquoi je vis. Mes pieds. Ils ressemblent à une galerie de chefs-d'œuvre désordonnés. Nous ne devrions pas gaspiller de nourriture. Mais je pense qu'ils ont toujours besoin d'être nettoyés. Faisons un peu de nettoyage. Non, maman. Je n'arrive pas à atteindre. Outil inutile. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, des choses pratiques. Je sais quoi faisons faire. Des chaussons pour exfolier les pieds. Fais éclater ces cellules de pop. Nous en avons besoin de tous. Maintenant, collez toutes ces bulles colorées sur les semelles des pantoufles. J'adore les couleurs de l'arc-en-ciel. Et glissez vos pieds dedans. Ces boulettes sont si douces. Et maintenant, j'ai besoin de savon. Beaucoup de savon. Parfait. Frottez vos pieds sur les bulles de silicone jusqu'à ce qu'elles deviennent moussantes. Et voilà. Et tellement propre. Ils se sentent aussi frais. Soyez sages, d'accord. Pied de papa qui se tortille. Il est temps d'appuyer sur le bouton. Allons-y. Mange. Ton souhait est mon commandement. Ces orteils ont l'air délicieux. Mes orteils, ça fait mal. Tu es folle, femme. Laisse mes orteils tranquilles. Mes bébés, oh non. Voudriez-vous essayer ceci? Une chaussure? Je sais. Les mamans ne manquent jamais de bonnes idées pour leurs petits affamés. Maintenant, nous avons besoin de deux grandes semelles de biscuits. Ils ont déjà l'air délicieux. Si maman aime le fondant, les bébés doivent aussi l'aimer. Avec un peu d'imagination et une toile en fondant blanc, le ciel est la limite. Maintenant, ajoutons 10 délicieux orteils pour les rendre originaux. Oh, regarde ça! Les mignons petits pieds de papa sont prêts pour mes bébés. Délicieux! Tellement carné! Les orteils, je n'ai mes jamais préférés. Pensé qu'un gâteau en forme de pied pourrait être aussi délicieux. Douce, mes bébés. Ventre heureux! Ah. C'est toi! Quel est ce problème? Nous devons vous scanner. Ne t'inquiète pas, maman. Les bébés arrivent! Vous êtes entre de bonnes mains. C'est juste une légère pincée. Toi et les bébés allez très bien vous en sortir. C'est le grand dévoilement maintenant. Ouvre grand. Les voilà! Deux petits alphabets pour bébés. Il y en a trois! Bienvenue dans le monde, les bébés! Remets-moi dedans! Eh non, je ne peux pas faire ça! Rejoins simplement tes frères et sœurs. Je veux voir mes bébés. Vous avez des bébés si adorables. Je le fais. Trop mignon. C'est trop émotionnel. Pleure-moi une rivière, maman. Tant d'émotions. Trop adorable. Quoi? Il pleut à l'intérieur? Avez-vous besoin de ça? Un biscuit, peut-être? Un couteau en plastique? Couteau en plastique? Eh bien, jolie couleur, cependant. J'ai une idée. Ajoutons un peu de chaleur ici. Super! Maintenant, pliez-le comme ça. Regarde cette éponge ronde jaune. Parfait. Assemblons ces deux éléments. Glissez le couteau dans l'éponge. Et voilà! Je me suis procuré des lunettes cool qui et j'en pleurent. Ai besoin! Ce n'est que j'ai l'air cool ou quoi? Les pleurs à nouveau. Heureusement qu'ils sont en éponge. Deux fonctions en une est ce dont chaque maman a besoin. Juste un peu plus. Sacrebleu. Quel désordre! Cet endroit ressemble à une porcherie. Je n'en reviens pas. Dégoûtant! Et les fruits de mer? Burk! Chérie! C'est le dernier. Au revoir, chérie. Ah! Ce n'est pas lui! Maintenant, comment je le fais venir ici? Je sais! La canne à pêche à la rescousse. Compris. Viens vers moi, bébé. Eh oui. Cliquez sur ce bouton d'alimentation et... C'est l'heure du nettoyage. Que le nettoyage commence.
mes bananes. Hé, hey, c'est ma tasse. Quelle impolitesse. Je viens de te chercher, l'araignée. Oh non, 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 non. Tout rentre dedans. Trésor, bonjour là-bas. Inutile. C'est tellement triste. Adopte-moi. Je suis sans abri et affamé. S'il te plaît, nourris-moi. Viens ici, ma chérie. Toi, pauvre chose. Allons te chercher de la nourriture. Sucré ou salé? Sucré ou salé? Sucré. Tu veux du sucré? D'accord. Voilà. Et fais ton truc. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Oh, il faut que j'y aille. C'est tellement amusant. Ouais. Ils sortent. Waouh, des orbises colorées. J'aime tellement ça. Faisons un massage des pieds. Ce massage est vraiment nécessaire. C'est tellement agréable et tellement relaxant. Il est temps de manger à nouveau. Oh, qu'est-ce que c'est? Salut, petit bonhomme. Un autre? Encore bonjour, un là-bas. Autre? Bonjour là-bas. Allons-y, les gens. Maintenant, tu vas m'aider à sécuriser cet endroit pour mes bébés. Bonjour, madame. Nous sommes prêts à servir. Mais nous avons besoin de quelques modifications ici. Oui, ça doit partir. Je pense que tu as besoin d'un costume pour ce travail. Et une certaine identification. C'est un travail très important. Et voilà, tu es si beau. Rendez-vous à votre poste. Tout est sûr maintenant. T'as-t-elle appelé beau? Oh, oui, c'est une évidence. Et le dernier? Il est assez évident que je suis plus beau que lui. Tout est sécurisé maintenant. Chérie? Si bon! Oh, mes bébés. Bonjour, toi. Voici ton papa. Oh, non. Reste loin de mon ventre. Cache-toi. Il ne peut pas me trouver ici, n'est-ce pas? Est-ce sûr de sortir maintenant? La liberté. Hein? Le bon approvisionnement arrive juste à temps. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Poisson. Je vais te trouver une nouvelle maison. Profitez-en. Merci, petit poisson. Maintenant, ajoutons un peu de colle. J'ai besoin de toute la bouteille dans l'eau. Mélange. Fade. Et imbibez-vous de cela. La magie du bricolage en cours de réalisation. C'est assez collé. Maintenant, nous façonnons le bouclier de protection le plus épique de l'univers DIY sous-marin. Mettez chaque bande de plâtre sur une autre. Voilà, plutôt sympa. La protection de mon bébé, ça a l'air solide. Maintenant, colorons-le. Ah, commençons par le rouge. Le rouge est pour la lettre A. Du rose pour le P. Et du violet pour le W. C'est fait. Et c'est fait. Qu'en pensez-vous, les bébés? Plutôt cool, hein? Prêt à affronter le monde sauvage. Ce bouclier est fait d'amour et du monde de l'eau. Regarde, chérie. Waouh, laissez-moi sentir mes bébés. Gwele. C'est ton papa. Nous sommes protégés. Bravo, maman. Yopi. Hein? C'est l'heure. Les gars, quoi? Quelque chose se passe. Les bébés arrivent. Maintenant, allons à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital, madame. Hein? Quelle ligne? Oh! Docteur! Oui, ça fait mal! Oh. Merci d'avoir patienté, vous êtes la suivante. Moi? Oh non, j'ai tellement peur! Toi, prends ce ventre! Hein? Oh. Et le bébé? Quoi? Bonne chance! Êtes-vous prêts? Que se passe-t-il? Nous allons voir à l'intérieur de votre ventre. Mon ventre? Bonjour, maman! J'ai tellement découdre! Les bébés? Non! Votre déjeuner, madame. Oh? Mmh. Je crois que j'ai juste faim. Pas de nourriture saine! De la pizza! Des fruits de mer! De la glace! Des haricots! Jette ça! Délicieux! Hein? Comme vous voulez, les bébés! Je ferai n'importe quoi pour mes bébés. Si mes bébés sont heureux, je le suis aussi. Tout y passe. Maintenant, mélanger. Nous y voilà. C'est tellement plus pratique. Ça a l'air si crémeux.
Je le verse dans une casserole. Il faut maintenant de la chaleur pour le cuire. Fais sortir la vapeur. Il est prêt à être façonné. Ensuite, ajoutez-y des personnages. Le verre tortue parfait pour la tête. Le masque, les yeux globuleux, un joli sourire et le reste du matériel. N'oubliez pas les jolis pains joufflus. Oh, guili 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 guili. Une assiette de repas en dents de scie. Essayons-le. Eh bien, quel goût unique. Le meilleur. C'est tellement satisfaisant. Voici le... Hey, c'est l'heure de ton médicament. C'est bon pour les bébés. Non, je n'aime pas les médicaments. Affreux. Sainte tortue, oh là là, mon ventre gargouille. Hein? C'est bizarre. Laxatif? Oh, ma chère, oups. Vous vous moquez de moi? Oh, j'ai besoin des toilettes. Dépêchez-vous, vite. Au revoir, Oreo. Il est temps de partir. Dépêchez-vous. Ouf, l'acte est accompli. Quoi? Flamingo? S'il te plaît, nourris-moi, je veux faire caca. Ok, ouvre la bouche. Voilà pour les bonbons. Mâche bien, d'accord? Oh! Remplis-moi ce bol maintenant. J'y vais, oh oh, je dois y aller. Il faut y aller. Oh! Ça sort, oui, oui. Waouh! Des mini bonbons. Oh mon Dieu, j'en ai trop mangé. Wouhou! Il pleut des arcs-en-ciel. Waouh, c'est l'heure du spa pour les pieds. Oh, qu'est-ce que ça détend. C'est bizarre, mais d'accord. Waouh, c'est trop cool. Mais je dois aller me coucher. Allez, les bébés, travaillez avec moi. Je peux faire ça. Aide-moi, le flamant rose. Oui, oui. J'ai besoin de quelque chose qui tienne bien. Ceci devrait suffire et associez-le à ceci. Tendez la corde sur le piston. Youhou! Au revoir, petit oiseau qui fait caca. Dans le mille. Joli. Oh, mon chapeau. Ouf, quelle balade. Maintenant, nous pouvons dormir. Les tortues mutantes ninja. Chut, je veux dormir. Les tortues mutantes ninja. Les tortues mutantes ninja. Les gars. Oh, ils n'écoutent pas. Oh, je sais. J'ai besoin d'une connexion avec eux. La manière traditionnelle d'entrer en contact avec le monde intérieur. Utilisez le fil sur la boîte de conserve. Et c'est fait. Essayons-le. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo. Non, allez, maman, on s'ennuie. D'accord. Musique. Yo, ça roule. Big Mama est dans la place. Êtes-vous prêts, les gars? Ouais, vas-y, maman, on déchire. C'est parti. Je veux que mes factures soient payées, ouais. Que le loyer soit payé, ouais. Que les factures soient payées, oui. Que le loyer soit payé, oui. Que les ongles soient faits, Oh, ça déchire, ça. Écoute ta maman et fais dodo. Tout le monde ensemble. Bonne nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Maman, terminé. Ciao. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tant de saleté? Mieux vaut nettoyer. J'arrive pas à les attraper. Allez, un peu plus. À plus? Je connais une astuce. Mon brillant esprit artisanal ne me déçoit jamais. Il faut que je vous emprunte ça, les gamins.
Et de quoi coller l'outil de balayage? Je suis un génie. Prêt? Et commencez à nettoyer. Vroom vroom, demande acceptée, balayage du sol comme un pro-bot. Oh, c'est tellement cool. Ne ratez pas les petits endroits. Maman, je vais vomir. Kowabunga! Il sera aussi brillant que le miroir. Rien ne sera oublié. Oh yeah! Vous avez terminé? Waouh, une propreté étincelante. Bon travail. Dormez, s'il vous plaît. Psst, prenez ça. Waouh, un masseur de ventre. C'est ce dont mes bébés et moi avons besoin. Cela permet à mes bébés de se détendre et de se rendormir. Est-ce que tu aimes, bébé? Waouh, c'est tellement radical. Maman pense la même chose. C'est l'heure, maman. Nous sortons. Activez votre sortie. Hein? D'accord, allons-y. Prêt. Bonjour, maman. Bonjour, le monde. Oh, mes bébés, vous êtes si mignons. Regardez ma nouvelle danse de sirène, les gars. Bougez-vous. Wouhou! Oh, mon ventre! Oh, je suis désolée, les gars. Je me sens un peu dans l'air ancré dans la terre et flottant sur l'eau. Excusez-moi, je suis médecin. Hé, madame, venez avec moi. Vous êtes enceinte de 4 bébés. Comment? 4 bébés? Maintenant, je dois m'essuyer. J'aime pas ça. Je ne peux pas l'atteindre. Tu vas m'aider, monsieur le squelette. Ne t'inquiète pas, ton aide sera très appréciée. Je vais m'assurer de bien t'équiper en papier toilette. Oui. Voilà comment on s'essuie les fesses. C'est fait. Dégueulasse. Bon travail. Ouh, il y a une grosse vague ici. Burk, d'où vient cette saleté? D'accord, il faut la nettoyer. Allez, on y va. Je ne peux pas respirer. Ça ne marche pas. Essaye celle-là. Il suffit de les transformer en lave-pieds. Alors mettons-nous au travail. Nous avons besoin de pop-its. Nous allons détacher les bulles. Oh, c'est quand même apaisant, je dirais. De faire éclater les trous. C'est fait. Collons les bulles sur la semelle de la sandale. Couvrons toute la surface avec les bulles colorées. Waouh! Oh, le pied sale est dégoûtant. D'accord, il est temps de te nettoyer, mon petit gars puant. Wow, c'est tellement agréable. Frottons-les jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement propres. Oh, incroyable! Les pieds de rêve. Mes jambes sont si poilues. Oh, je sais. C'est l'heure de se raser les jambes. Nous avons besoin d'aide. C'est parti. Prêt pour l'ultime mission de rasage des jambes? Oh oui. N'oublions pas la crème à raser. D'accord, ça suffit. Pourquoi maman m'a fait hériter de tous ces poils? Bon, j'ai encore besoin d'aide pour que le rasoir puisse atteindre les zones impossibles de mon corps. Qu'en pensez-vous? Brillant, n'est-ce pas? Rends mes jambes douces, mon cher. Oh oui, c'est ça. Prudemment et lentement. Nous ne voulons pas qu'elles deviennent épineuses. Oh waouh, mission accomplie. Mes jambes sont soyeuses et douces au toucher aussi. Oh, mes bébés, mais qu'est-ce qui se passe? Bébé, s'il vous plaît! Ça démange tellement, je n'en peux plus! Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Maman doit faire ce qu'elle a à faire. Faisons éclater tous ces boutons de ventre. Sors de là, tu n'es que source de démangeaisons dans le ventre. Ouf, un peu de calme maintenant. Non, maintenant. Contrôle activé. D'accord, nous avons besoin de maquillage pour le ventre. Commençons par un fond de teint. Les bébés aiment les caresses. D'accord, l'étape suivante est le maquillage des yeux. Quelles sont les couleurs qui conviennent le mieux à notre ventre de bébé? Très bien alors, c'est le bleu.
Papa dit que les bébés ont les yeux bleus, tu sais. J'aime beaucoup ta frangine. Elles sont aux lèvres. Es-tu sûre que ce sont des lèvres? Tu la réveilles. Hey, bien joué. Oh, regarde ses yeux bleus, couleur de l'océan. Et ses lèvres rouges corail. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, attendez. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oui. Ah, Ursula est là. Oh, chérie, regarde. Pleure, maman. Je suis si laide. Oh mon Dieu, j'aurais dû lire un autre livre. D'accord, elle a vraiment besoin de mouchoirs. Tiens, chérie, tu te sentiras mieux avec ça. Tu as raison. Ce n'est pas drôle. C'est vrai. Je suis triste, mais je suis heureuse. Je ne comprends pas. Waouh. Fête de la révélation du genre. C'est incroyable. Il y a même une arche mignonne avec mes fleurs préférées. Oh, tu as fait tout ça pour moi, chérie? Découvrons le sexe du bébé. Laisse-moi t'aider. Souffle fort, ma fille. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon père vient de faire un tourbillon? Voici le petit. Atterrissage en toute sécurité, en route pour la mission. Ouf, wow, tu es enfin là. Bon travail, les gars. Allez, on s'y met. Plus grand, plus grand. Oh ouais, quatre ballons. Flotter dans les airs et, pour la grande révélation, il va falloir faire éclater les ballons. On commence. Un, c'est un garçon. Deux, c'est une fille. Wow. Chérie. Oh, non. D'accord, je vais le faire alors. Waouh! Oh, oh, du feu! Et le dernier, un garçon ou une fille? Ouais! C'est un garçon! Oh non! Oh! Oups! Waouh! Wow. Mais qu'est-ce qui ne va pas, les bébés? Une collation, madame? Waouh, merci! Oh, des bonbons! Oh, un seul? Pourquoi? Eh bien, un seul devra suffire, je suppose. Je vais encore! Plus! J'ai encore faim, mes bébés aussi! Des oranges? D'accord. Nous ferons quelque chose de délicieux. Oh, pressons ce jus frais. C'est quand même beaucoup de jus d'une seule orange. C'est la partie la plus amusante. Ajoutons les deux ingrédients principaux, le sucre et la gélatine. Voilà, boum. Waouh, regardez ce joli liquide orange. Nous allons maintenant le mettre dans un moule. Remplissons un flacon en verre. Versons le tout dans un moule en forme d'ours. Versons tout le mélange dans le moule. D'accord. Au revoir. Maintenant, le feu. C'est de ça que je parle. Ourson géant en gélatine orange. Oh, maintenant, il s'est solidifié, mais est assez mou. C'est un peu élastique aussi. Je parie que c'est tellement moelleux. Je suis si prête pour ça. Si délicieux. Vous aimez ça, les bébés? Oh, ouais! Oui, c'est vrai! Cette chose semble être une bonne idée. Alors, essayons-la. Génial! Toutes les meilleures garnitures pour mon ourson en gélatine! Commençons par le chocolat, bien sûr. J'en prends autant que je veux. Je couvre avec mon ours en gélatine. J'ajoute ensuite de la crème fouettée. C'est délicieux! Oh, des cornichons! Je les mets sur le dessus. Non! Oh oui, c'est délicieux! Oh oui, non, oui, non, oui, non, oui! Oh mon Dieu! Oh, c'est si bon! Oh! Oh! Oh, oh, pauvre bébé! Laisse-moi vérifier ton état. D'accord. Respire profondément. Oh, tu es enceinte! Oh, le bébé est prématuré. Nous devons procéder à une césarienne. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Maintenant, sortons le bébé. Oh, waouh! Un tout petit bébé. Ta maman va tellement t'aimer. Je vais d'abord faire des points de suture à ta mère avant qu'elle ne puisse te prendre dans ses bras. Tout ira bien, maman. C'est fait, mon bébé.
Un autre bébé? Une nouvelle petite sœur? Je ne sais même pas quoi faire de celui-ci. Détends-toi, papa. On s'ennuie. Téléportons-nous. Chérie, je vais t'attraper. C'était impressionnant. Mes bébés, ils vont bien. Merci. Tu vas m'aider. Oh, salut, maman. D'accord, mes bébés. Maintenant, place au bricolage. Je coupe la queue comme ça. Puis, je m'amuse à dessiner un visage. C'est fait. Je le colle au pied de la table. Prêt à servir, madame. Sécurité baby-proof. Bravo à moi. Oh, c'est le moment. Les bébés sont... je pense que mes bébés arrivent. Ne vous inquiétez pas. Je suis le chirurgien. Je vais sortir vos bébés sains et saufs. Oh mon Dieu, c'est mon premier jour. Ça va aller. Ça va être génial. Où est-il quand j'en ai besoin? Allez. Ça va bien se passer. D'accord, allons... Bonjour les bébés. Eh bien, vous avez l'air d'aller bien. Nous n'avons plus besoin de ça. Vous avez réussi. Oh, bonjour à toi, ma douce petite tarte à la citrouille. Tu es si mignon. Oh, salut maman. J'ai juste besoin de... Oh, maman t'aime. Oh non. Oups, désolée maman. Oh non. Tu ne peux pas faire ça. Oh, tu as mouillé maman. Oh, réparons ça. Nous rendrons tes vêtements plus lumineux et plus frais. Colorons ce tissu et voyons comment la couleur s'infiltre dans le tissu. Incroyable! C'est maintenant chose faite. Mes bébés portent des vêtements dans leur propre couleur. Ah, c'est trop mignon. Waouh! C'est tellement beau! Je suis plus cool!